Mesdames et messieurs, auditeurs de l'émission Moment d'orientation, et bonsoir et bienvenue à notre sortie pour cette semaine, pour ce dimanche. Et fidèles auditeurs de la radio et Max Inter 96.5 FM stéréo pour tout le département et du nord-ouest d'Haïti et même quelques villes avoisinantes telles que Gaumont. Également disponible sur l'internet à travers www.radiomaxinter.com. Et bienvenue à votre émission Un moment d'orientation avec serviteur Richardson Louis. Semaine dernière, nous t'ai abordé un sujet qui est assez intéressant et c'est les facteurs de réussite. Et rappelez-nous bien que y a un élément décisif et qui est conditionné, qui permet à ce que nous atteignions du succès, nous réussissions dans tout ça que nous avons entrepris, c'est d'abord l'existence d'un rêve, l'existence d'un objectif et ou bien d'une vision. C'est ça qui fait que nous t'ai mentionné que l'état est important pour que un jour nous toucher, nous parler et de ça que nous les visions, ça que nous les yon plein de vie. C'est ça qui fait que et jodia nous gagnons et chance pour que nous parler de l'importance d'un plan de vie et comment l'élaborer. L'importance d'un plan de vie et comment l'élaborer. C'est un sujet et qui, sans doute, et même genre avec ce sujet, nous avons développé dimanche dernier, et qui est de grand intérêt, qui est de grande importance. Et lorsque le monde les connaît, et importance à gagner en ville, ils ont plan de vie, ils ont projet de vie, autrement appelé, et comment que le capable élaborer ce projet de vie. Doit dire donc que pour un projet de vie, c'est façon, c'est ça que on choisit pour que on représente dans le monde, ça qu'on choisit pour que on y ait à long terme, bon, pour toute vie. Dans l'autre langage, nous sommes capables de dire que c'est comme nous connaissons que et la vie, les gagnants thème, les gagnants fin, qui c'est la mort, c'est qui est-ce que vous voulez jusqu'à ce que la mort va prendre fin vie ou? Et il y a des gens qui allaient plus loin, et ce sont allés sur un angle chrétien, donc même après la mort, on parle qu'il y aura une vie, bon, la vie éternelle. Mais nous ne pas dans l'aspect religieux, l'aspect chrétien, non? Et nous avons juste été dans le concept général. Thème, donc, et un projet de vie, c'est disposition que vous prenez, c'est conception vie que vous faites à long terme. Donc, capable illustrer ça, c'est que vous avez gagné un cob qu'on y a là. Je ne sais pas combien 1000 dollars ou 1 million de dollars, je ne sais pas, tout dépend de son réveillon. Vous décidez de bâtir un cas, vous décidez de construire une maison pour été, ou bien pour business, vous décidez de faire une construction. Premier ça que vous faites, c'est que vous voulez faire une construction qui vaut la peine, une construction qui est assurée. D'abord, vous contactez un architecte, et architecte ça que lui fait, lui élaborer pour un plan de construction. Architecte là, lui élaborer pour un plan de construction, côté que, après que vous expliquez lui, mais comment que vous voulez qu'elle a, etc. Donc, architecte là, l'identifier avec précision tout aspect et tout élément qu'il ça lui-même que les gars gagnent. Par exemple, selon plan que architecte là, l'élaborer, les faire pour Kaiwan, ou à connaître combien chambres à coucher qu'il ça gagne, dans quelle position chambre à coucher ça va pied, quelle dimension chambre yo, et salon, salle à manger, cuisine, douche, etc. Donc,
Le fait que l'architecte a fini élaborer plan pour vous, il y a possibilité pour que vous visualisez qu'est-ce que ça que vous pourrez gagner après. Et non seulement les permettre à ce que et de manière non réelle, sinon que c'est seulement sur papier, ou capable de contempler ouais qu'est-ce ça que vous allez faire, mais élaboration plan il y a une autre importance. C'est que les permettre à ce que vous conscient de combien ou mais quelle quantité de ressources que vous avez besoin pour capable utiliser pour construction Kaisa. Assez souvent et lorsque nous construit sans devis, sans plan et nous sommes capables de faire une estimation, nous dit que nous avons besoin par exemple bah, qu'on a un temps maximum et à la fin que nous avons que nous besoin plus, nous besoin moins, donc ça qui pas recommandé. Mais lorsque nous fait un plan et de caille ça, de maison ça fait ou gagner yon précision non seulement de qui ça que vous avez besoin pour que vous fassiez caille là, dans qui durée de temps et comment produit final là qui c'est caille ça que vous allez rester comment que caille ça bien. Maintenant, c'est de même pour la vie humaine. Et imaginons que yon monde quoi vivre au jour le jour. Ou pas penser que et après 10, 20, 30, 50 ans, comment que moi-même, moi à pied, ça fait que même j'ai avec Kayla, ou vivre pour vivre, ou poser un ensemble d'actions qui probablement capable et pas réunis avec un demain meilleur. Ça qui fait que l'important pour que nous définissons. Nous avons tourné la question Kayla, pour nous dire que ou t'as toujours rêvé en caille. C'est même genre que, ou t'as toujours voulu réussir. Mais, pour que caille ça les bien matérialisé, il y a un ensemble de processus, un ensemble de pas qu'il doit faire. D'abord, je suis un architecte. Architecte là, élaborer le plan pour vous. Donc, et puis, vous allez commencer et implémenter, commencer réaliser, matérialiser plan ça que architecte là, les définit pour vous. C'est de même pour vous. D'abord, c'est gagner un rêve. C'est connaître qui ça que vous voulez à la fin. Et lorsque vous finissez gagner rêve ça va faire qu'on y a, vous pourrez élaborer un ensemble d'éléments, de facteurs qui doivent permettre à ce que vous arrivez à matérialiser et ou matérialiser et rêve ça que vous avez gagné et pour. Et pour tout reste vieux. Gen yon auteur, yon fameux écrivain et professeur américain qui c'est Stephen Covey et yon moun qui écrit, yon personnage qui écrit en pile sur facteurs de réussite, etc. Et spécialement, lycée auteur, livre qui titré Les 7 habitudes, encore 7 facteurs d'une personne hautement effective. On dit, c'est Stephen Covey. Monsieur, il précisait que dans la vie, l'important à ce que nous commençons par la fin. Ça veut dire quoi? Moi fait jodi an, moi vivre mais action mieux m pas dwe yo à partir de moment actuel là moi dwe finalité à finissement comment que m'a fini parce que la réussite li pas résider li pas dans commencement ni dans moitié route c'est résultat final là c'est pour ça que pour Stephen Covey l'important est que nous apprenne à vivre nous à partir de fin vivre nous. Qui est-ce que nous voulons y aller à la fin? Et, par exemple, si Richardson t'a mouru dans 20-30 ans, qui est-ce que m'a payé? Qui est-ce que y a dit m'a après la mort? L'autre élément que nous sommes capables de prendre, je t'ai demandé, est-ce que vous connaissez comment étaient les grands-grands, grand-papa ou
Probablement, on ne peut pas connaître. Ça va dépendre de qui ça que l'été quitté au moment que l'été décédé. Mais cependant, si je demande qui est-ce qui est Jean-Jacques Dessalines, qui est-ce qui était Toussaint Louverture, qui était Pétion, automatiquement, ou à connaît, ou mais qu'est-ce qui était Timano, c'est dans le monde artistique là, ou à connaît parce que moun sa yo, yo quitté yon héritage, yo quitté non yo, yo quitté yon, tout yon réussite que yo te atteint, donc ça fait que yo rete à travers l'histoire. Ceci dit que l'important c'est que nous-mêmes, nous pas seulement ouais vie nous, et à partir du moment actuel seulement comme si, et ouais chaque jour qu'on vive, mais que vous capable vivre et selon yon rêve que vous gagnez et que vous devez lutter pour matérialiser. Maintenant, nous ouais importance de yon plan de vie que les fondamentales pour que nous concevoir les. Et une fois que vous finissez un rêve ça, que vous pral connaît que et qui facteur que vous devez mettre en évidence pour que rêve ça lui-même les matérialiser. Le philosophe Aristote dit que nous sommes ce que nous faisons au jour le jour. Nous sommes ce que nous faisons au jour le jour. Et il y a un autre qui dit que la planification, c'est le substitut, le remplaçant de la chance. Donc, ça veut dire que réussite, les patates douées, yon élément et résultant de chance, mais l'état supposé est résultat de ayant une planification et qui adéquate, une planification et efficace qui baille résultat que nous espérons. Maintenant, pour que nous arrivions bien saisi, bien élaboré et yon plan de vie et puis fait suivi avec lui, il y a un ensemble d'éléments que l'on doit considérer, il y a un ensemble d'éléments à travers le temps qui c'est d'abord le présent, moment que moi-même moi décidé élaborer plan de vie ça, qui est-ce que moi est, qui côté que moi est, qui ça que moi gagne à disposition et qui valeur que moi baille avec ça que moi voulais moi décide élaborer comme plan de vie, hein? Qui ça que les représenter pour moi. Deuxième élément, c'est avoir pondéré rêve ça que moi gagne, hein? Vision ça que moi gagne, hein? Comment que moi dois faire suivi pour les matérialiser. Et de là que nous arrivons au troisième élément, qui c'est qui moyen qui nécessaire à partir du moment que moi retrouver moyen, dans la conjoncture que moi retrouver moyen, qui élément qui nécessaire, qui indispensable pour que rêve ça que moi matérialiser, moi élaborer, moi bâtir tête moyen que les réaliser. De là, en plus monde capable opter pour yon décision, yon attitude qui néfaste, qui pessimiste. Et ou capable souvent dit que, en pile monde, que peut-être que pour le moment, par rapport avec rêve que moun a gagné, il n'a pas gagné tout moyen qui t'a réuni. Mais cependant, il est beau de rêver. On dit que dans la vie, le plus important, c'est le rêve. Et une fois que vous finissez un rêve là, si un rêve qui vaut la peine que vous bien saisissez rêve ça, les moyens viennent. Les moyens arrivent. Parce que modelant d'abord ça qui base lui, ça qui moteur lui, c'est les idées.
des idées qui vaut la peine, idées qui noble. Et une fois que ces gens de idées ça ont gagné, a toujours gagné un monde qui disposait pour capable supporter, pour capable et baou et réconfort que ou même au tabac mérité, que ou même tout à travers le temps ou a venir ouais et par qui mécanisme, par qui moyen que ou capable et consolider et optimiser ressources que ou gagne yo pour que ou réaliser là. Ça que moi je veux dire par là, c'est un élément ça côté que nous parler des moyens nécessaires pour réaliser rêve là. Ça pas fait que ou limiter ou uniquement avec ça que vous gagnez, mais ou capable ou comment que vous capable optimiser ou rendre plus efficace ou faire un usage rationnel de ressources que vous gagnez pour que rêve là les matérialiser. Il est important de dire d'établir une différence entre un plan de vie et un simple désir, un simple rêve, une simple intention. Parfois, vous n'êtes capable de dire, ah, moi je voulais tel bagaille. Ou bien un désir. Un désir n'est pas pour autant un rêve. Yon désir, li kapab toujou asosye kom sinonim de yon intansyon. Men sepadan, yon rêv li pi aprofondi, yon rêv li exije yon kompromi de l'individu an kesyon. Yon rêv li forse individuant pour qu'il capable matérialiser ça que le fait. Lorsque on dit moins rêver tel bagage et que vous voulez ça que vous établissez, donc l'important ce que vous disposez pour que vous fait sacrifice. Et le mot sacrifice, c'est pas sacrifice qui est moral là, non, moi parler de effort que vous devez consentir pour que rêve ça que vous gagnez pour les matérialiser. Désir, mon cas, je dis, m'ta envie fait tel bagay, mais moi pas bien saisi tout élément qui entourait désir ça que mon gagnant et qui ça que moi supposé fait pour que moi arrive vers désir ça que mon gagnant, vers intention ça que moi gagnant. Ça qui fait que et pour quand t'as le rêve, le plan de vie, l'important est que non seulement que nous gagnions une vision, que nous gagnions une intention, mais l'important est que nous efforçons pour que nous rendions palpable, pour que nous matérialisions et vision ça, pour nous matérialiser rêve ça que nous gagnons et rêve ça pour nous-mêmes qui à temps futur gagner yon valeur qui est significative. Donc, rappelez-nous que le sujet à débattre aujourd'hui, c'est l'importance d'un plan de vie et comment l'élaborer. On voit que lorsque vous gagnez un plan de vie, ça fait que vous projetez pas à court terme, pas seulement pour le présent, mais à long terme, ça qui fait que ensemble de décisions, ensemble d'actions que vous posez au jour le jour, les supposer conformes avec rêve ça, avec plan de vie ça que vous gagnez. C'est même genre que l'on dit, un architecte fait un plan pour. Donc toute action que vous faites, vous faites selon plan pour que à la fin, objectif final, il est capable de réaliser. Et nous prenons la première pause dans l'émission aujourd'hui. Et lorsque nous retournons, nous allons aborder d'autres éléments et qui sont importants pour que nous considérions au moment que nous avons élaboré un plan de vie. Et nous disons en passant que deux facteurs
important, c'est connaître, c'est me connaître. Dans le sens que connaître qui ça que moi gagne comme point fort, qui ça que moi gagne comme point faible, ça qui a permis à ce que et plan que moi va élaborer à que les correspondent avec vie moi avec qui est-ce que moi est et que c'est pas un plan qui t'arrêtait comme une utopie, un bagage qui était comme une illusion, mais que moi capable faire les selon et ça que moi représente, ça que moi et ça que moi gagne en faveur moi. Et donc nous va ouais et avec détail élément ça yo dans deuxième partie émission aujourd'hui et concernant le sujet importance de plan de vie et comment l'élaborer. Donc c'est votre émission Moment d'orientation avec Richardson Lewis sur votre radio Max Inter 96.5 et pour le Nord-Ouest et le www.radiomaxinter.com pour tout Haïti et le reste du monde. Mesdames et messieurs, auditeurs de Moment d'orientation, merci pour fidélité nous parce que nous étions à l'écoute pour deuxième partie et émission nous dimanche et le dimanche là. Côté que nous avons parlé sur l'importance du plan de vie et comment l'élaborer. Dans la première partie émission, nous t'ai touché pour donc, concept ça plan de vie et importance li et nous t'ai pris différentes illustrations pour que nous permettent à ce que ou bien saisi non ce concept plan de vie et établir différence qui gagne entre plan de vie et yon simple désir, yon rêve et yon simple désir. Lorsque nous parlons de plan de vie ou projet de vie, les englober différents d'autres projets que nous sommes capables, qu'on a qui existent. On parle de projet d'entrepreneuriat, qui a besoin de créer un business. On parle de projet académique, projet sentimental, et j'en passe. Mais projet de vie, plan de vie, il y a englobé tout. Gagner des consultants qui disent parfois que yon moun, yon entrepreneur capable de consulter yon consultant et pour but de ce qui va marcher bien. Et que premier ça que nous souvent fait en tant que consultant, c'est comprendre réalité individuelle mettre entreprise ça ou bien monde qui a géré entreprise là. Pour qui ça? C'est parce que toute décision que nous prenons dans la vie, hein, y a pas divorcé de qui est-ce que nous sommes en tant que personne. Ceci fait que les de vitale importance que nous gagnons un projet de vie, nous concevoir tête nous dans la meilleure façon possible et prendre les dispositions nécessaires pour que conception ça que nous fait de vie nous matérialiser. Dans deuxième phase émission, et dans le moment ça que nous y là, nous pral aborder précisément après que nous finissons de parler déjà de importance sur un plan de vie, un projet de vie, nous pral aborder avec vous différents éléments ou bien différents pas que nous supposons faire pour nous arriver non seulement élaborer plan de vie, hein, mais faire suivi qui est nécessaire jusqu'à ce que plan de vie ça lui arrive concrétisé. Ce n'est pas un bagage qui produit du jour au lendemain, parce que nous avons parlé d'un projet à long terme. Un projet pour toute reste vie. Non. Maintenant, ça fait que premier bagay pour nous faire, Jean Stephen Covey dit, c'est ouais la fin. C'est élaborer un objectif final pour nous. C'est le méga rêve, si nous avons dit comme ça. C'est grand rêve là,
rêve général, là, rêve final, là, c'est qui ça que lié, qui ça que moi voulais yé demain, par rapport avec ça que nous comme priorité. Lorsque nous finissons d'élaborer ce méga rêve, cet objectif final, qui ça que nous voulions à la fin, il est important pour que nous élaborer des objectifs secondaires. En nous prenons un exemple. Moi capable, Richardson Lewis, décider rêver pour que demain, moi c'est un... Bon, simple, pour moi être présentateur de cette émission Moment d'orientation. C'est un rêve finalement. Et Simka c'est le comme ça. Qui ça que moi fait dans cas ça? Moi connais pour moi présenter émission, hein, moi supposé préparer moi en termes de connaissances, de compétences. Deuxièmement, identifier une station radio côté que moi a diffusé émission ça et autres. C'est même genre que ça, c'est un aspect que moi mentionne dans ban l'exemple. Si c'est dans VIPAM, moi dit Richardson dans fin vie moi supposé un personnage et qui marquait l'histoire, un personnage que après la mort moi que monde parlait de moi. Qui ça que moi de faire dans ce sens? Là encore, même parler de moi, m'capable plus délimiter. Parler de moi, dans sens positif ou négatif. Bon, m'ta opté sens positif là. Parce que, gain deux, sous deux angles, yon moun li capable distinguer, li capable chercher certaines notoriétés. Li capable sous aspect positif ou négatif. Donc, on opté pour aspect positif là. Donc, moi dit que, après vim, moi voulais que nom rete, moi voulais que et moun parle de moi comme yon moun qui te contribué sous tel ou tel angle. Kounya, moi supposé élaborer des objectifs secondaires qui doivent prendre en considération différents facteurs, différents éléments qui, lorsque moi matérialise chaque, yo pap divorcé, yo pap écarté moins de rêve final là, de grand objectif là, mais que yo chaque les moins accumulé yo a conduit moins vers objectif final ça que moi faut avoir gagné. C'est ça l'importance des objectifs secondaires. Ou gagne un grand rêve, yon rêve. Surtout quand nous parlons de projet à long terme, il est important que nous gagnions pour des projets à court terme ou à court et à moyen terme. Donc, en sorte de chaîne, m'a fin fait ça aujourd'hui, hein, m'a fait ça demain, m'a fait ça après-demain, jusqu'à ce que mon arrivée matérialisé au but final là. Un jeu qui représente dans ça, c'est que parfois dans l'élaboration de objectifs secondaires, de plans secondaires, nous souvent écartés nous de l'objectif final là. Souvent de fois, ça que nous décidons de faire pendant l'année 2014 là, n'est pas correspond avec rêve que nous gagnons pour l'année 2020. Donc les concerts, ça risquait à ce que nous pas atteindre objectif final, nous pas atteindre rêve définitif ou bien rêve général que nous t'as pas gagné. Donc, l'important est que objectif secondaire que nous avons élaboré, qui c'est et action que nous devons poser au jour le jour vers la matérialisation de l'objectif final, du plan de vie en général, que yo en harmonie. Que yon en harmonie avec objectif final que nous gagnons. Après quoi, lorsque nous finissons gagner grand objectif là, nous finissons gagner objectif secondaire yo, qui c'est les pas, les marches à suivre pour que
nous arriver matérialiser objectif final là, l'important est que nous énumérer, nous identifier et nous énumérer les moyens nécessaires pour que d'abord nous réaliser objectif secondaire yo, qui automatiquement lorsque yo fin réaliser yo a ba nou comme résultat final l'objectif final, l'objectif général. Moyen ça yo c'est si moi dit par rapport avec rêve que m'ta gagne pour vie moi, moi supposé gagner yon certaine connaissance académique professionnelle pour li comme ça, moi doit dire bien pour que moi forme tête moi, je dois aller à l'université par exemple. Mal à l'université, pour aller à l'université, moi connais que m'a besoin l'argent pour que moi paye l'université. Ou bien si que moi pas besoin l'argent, faut que moi ouais qui côté que moi venir en bourse d'études pour couvrir dépenses universitaires pour moi. On capable besoin. On pas besoin forcément que c'est moi qui paye avec COPAM, mais capable identifier des moyens, des stratégies qui permettent à ce que moi joigne ça que moi besoin pour que rêve là les réaliser, pour que effectivement moi arrive formé, parce que formation moi les indispensables dans le cadre de la matérialisation de mon plan de vie. C'est même chantou pour moi réaliser plan de vie finalement, il faut que moi en santé. Donc qui moyen que mon gars disposition pour que moi garantis santé, c'est éviter et toute mauvaise pratique de santé qui pas qui capable nuit qui a nuit santé moi, c'est peut-être c'est faire exercice etc. Donc moins identifier moyen ça yo, outil ça yo qui permettent à ce que moi au jour le jour matérialiser objectif secondaire que moi gagne pour vivre moi, qui à la fin à permettre à ce que objectif final là les réaliser. Lorsque nous parlons d'objectif et secondaire moyen, l'important c'est que nous connaissons que la vie humaine c'est un ensemble. C'est un ensemble. Parfois il y a des gens qui mettent d'accent sur l'aspect, par exemple, l'aspect académique, l'aspect professionnel de leur vie. Cependant, ils ont ignoré l'aspect émotionnel. Ils ont ignoré, par exemple, l'aspect de santé, l'aspect spirituel, ce qui n'est pas recommandé. Parce que dans la vie, pour une vie satisfaisante, une vie adéquate, il faut qu'il y ait de l'équilibre. Parce que vie adéquate ça, c'est l'équilibre entre les différents facteurs de la vie. Il n'est pas recommandé que, il n'est pas bon pour que moi seulement focus sur l'aspect économique là. Moi je veux gagner un peu le cob, moi je veux gagner cob, cependant moins négliger aspect santé moins. Une fois que moins négliger un aspect qui est vital pour vivre moins, ça a gagné des répercussions, des conséquences sur aspect que m'était priorisé. Maintenant, il est important à ce que nous prioriser. C'est sûr. M'doit gagner dans vie moins un facteur, un angle pour moi qui est plus important. Mais ça que nous voulons dire, c'est angle qui est de moins importance pour vous que ou pas négliger vous. Que également vous prenez en considération seulement ou à focus plus sur ça qui est priorité pour vous. Priorité est priorité. Mais restez connaît que conscient que vous êtes important vers la matérialisation, la réalisation de ce qui est prioritaire dans ta vie. Quatrième facteur, nous faisons parler d'objectif général,
secondaire, les moyens. L'important, c'est que nous ayons un calendrier. Parce que si je parle d'un plan, moi j'ai un plan de vie, je voulais et arriver à une telle chose demain, faut que moi gagne un instrument qui chronométrer action moyo à travers le temps. Faut que moi gagne un moyen pour que moi évaluer, pour que moi me connais que rêve que mon gagne sur si un rêve pour 20 ans. Donc chaque année ou bien chaque mois, qui ça que moi a fait vers ces 20 ans, vers cette période de 20 années. Donc si un calendrier, il y a un calendrier côté que nous avons identifié, nous avons mentionné les objectifs secondaires, les pas à donner dans un moment déterminé. C'est établi les objectifs dans ou bien pendant un moment déterminé, une durée déterminée. Objectif secondaire là capable pour moi-même, c'est formation universitaire moins. Donc moi j'ai un calendrier, moi dis bon. Et en 2014, moi a fini et là moi a terminé avec master moins. Après 4 ans, ça veut dire d'ici 2018, moi supposé gagner un doctorat. Donc c'est ça le calendrier. Le calendrier, c'est positionner les objectifs secondaires à travers le temps. Donc, c'est à travers le temps, moins classer objectif. Pour qui ça est important? Lorsque le calendrier. Le calendrier, ça fait que cinquième élément, les réalisables, les factibles, cinquièmement qui c'est l'auto-évaluation. Auto-évaluation, hein, c'est que moi capable, dans le cadre calendrier à tout, dit chaque 6 mois, moi a évalué moi pour moi face avec ça que me dégain comme objectif pour vie moi, qui pourcentage que moi réalisé. Évidemment, ça qui t'a recommandé, ça qui t'a espéré, c'est que nous, ouais que nous matérialiser 100% de ça que nous t'avons et gagner comme objectif et secondaire pendant période ça. Et si que moi t'as auto-évaluation, hein, rends-moi compte que moi pas arrivé matérialiser la totalité de mes objectifs secondaires, moins doué en mesure pour que moi rende moins compte de qui bagaille, qui facteur, qui élément qui te contrarie moins, qui fait que moi pas t'es arrivé matérialiser à 100% objectif que me t'es bâillé tête moins pendant durée ça, pendant période ça, période d'une semaine, d'un mois, d'un trimestre, d'un an, ça dépend de où. Ça dépend de où et de temps que objectif ça lui-même les mérite pour que et les matérialiser parce qu'il faut que nous réalistes en quelque sorte. Ouais. Donc, auto-évaluation, elle permet à ce que moi-même, moi, comment que moi avancer vers l'objectif final, ça fait que si il est nécessaire à ce que moi redouble moi de force, d'énergie, moi fais. Mais lorsque pas gagner pièce, mécanisme d'évaluation, ça risquait que objectif final là n'est pas réalisé parce que moi pas connais combien que moi fait, qui ça que moi fait, qui ça que moi pas fait. Donc c'est comme si que moi pas déjà gagné un plan. Si moi dis que moi gagne un plan, moi pas gagne un calendrier, il est pas plan. Un plan, un projet, faut que les gagne les chronométrer avec le temps, faut que les gagne un calendrier, une durée. Et c'est durer ça qui a dit moins, dans qui phase que moi y est-ce que l'important est-ce que moi
moins augmenter force moins est-ce que l'important est-ce que moins déléguer donc l'important c'est gagner le calendrier disponible un calendrier qui factible qui possible pour réaliser un calendrier qui est réalisé selon les moyens nécessaires et le nombre de temps que l'objectif en question l'état va exiger. Donc lorsque les COSA, moi, capable et fait une auto-évaluation pour moi, qui côté que moi, face avec l'objectif et les objectifs secondaires et ceci en même temps vers l'objectif final parce que j'en ai dit là, objectif secondaire, il est supposé relationner avec l'objectif final. Donc c'est cinq éléments clés dans l'élaboration d'un pour l'élaboration d'un plan de vie. C'est avoir l'objectif final, le rêve, avoir des objectifs secondaires, quantité à illimité, quantité à illimité, et lorsque moi fini, identifier objectif sur l'intérieur que moi de rassurer moi qui est en conformité avec l'objectif principal là, moi identifier qui moyen que moi gagne à disposition moi pour que moi réaliser chaque, moi élaborer un calendrier côté que moi bâtiment comme mission pour que dans une durée de temps déterminée, moi pour réaliser tel objectif avec X quantité de moyens que moi gagne à disposition moi et de manière périodique moi fais une auto-évaluation moi évaluer pour moi ouais dans quelle phase que moi y est comment que moi avancer avec ça que moi gagne comme rêve comme objectif là moi changer que les moi l'école je t'ai toujours dit et d'ici 19 ans faut que moi termine études classiques moi et d'ici 23 ans et 23 avec 4 ans faut que moins universitaire et depuis mon certificat moi toujours à évaluer moi dit bon actuellement que moi gagne 17 ans mon telle classe donc est-ce que réellement à 19 ans m'a capable de terminer tout classique moins pour mon université donc parce que moi t'ai chronométré cycle fondamental là pour 19 ans et ça fait que m toujours à évaluer moi que moi pas gagne une année en plus donc ça fait que moi efforcer moins pour que moi toujours réussi chaque année pour que moi pas en retard pour que moi pas dépassé par le temps face avec objectif ça que moi te gagne pour que 19 ans m'termine sous classique moi et que 23 24 ans pour mon université c'est de même dans l'université m toujours prend peine sur mon carrière là pour que moi garder combien de matières que moi j'ai en bail, combien que moi manquer et me faire une moyenne pour me dire bon, sinon un an bail tant matière manque tant matière. Donc si moi bail X quantité de matière chaque quatrième, chaque session, effectivement à 23 ans 24 ans que moi a fini l'université. Effectivement, c'est ça qui fait. C'est ça, c'est là l'importance pour que nous gagnions y a un plan de vie qui est élaboré, y a un plan de vie qui saisit ensemble de éléments ça yo. Y a un objectif final, y a un objectif secondaire, des moyens factibles, y a un calendrier et y a un mécanisme d'évaluation que nous relais y a une auto-évaluation et que nous capables de définir d'une manière périodique dans une durée à identifier à définir par chacun de nous. Et avant que nous terminions avec l'émission aujourd'hui, et juste préciser pour deux éléments. Lorsque nous avons élaboré le plan de vie, les fondamentaux à ce que nous, tête nous définissons, nous conscients de qui est-ce que nous, des situations actuelles, nous identifier nos points forts, nos avantages et nos points faibles. Donc, pour que nous agissions en connaissance de cause. Qui ça que moi gagne comme avantage, qui ça que moi comme désavantage et c'est pas accepter en soi des avantages mais comment que moi capable optimiser avantages et minimiser
ça que nous avons comme désavantage. Une fois que nous faisons comme ça, nous avons jour le jour que nous avons des gens qui ont avancé vers la réussite, des gens qui ont avancé vers le succès. Merci, merci mesdames et messieurs, auditeurs de cette émission, moment d'orientation sur Radio Max Inter 96.5 FM Stereo et le www.radiomaxinter.com. Et également, nous sommes capables de suivre l'émission ça sur Facebook, nous sommes capables de chercher émission moment d'orientation, côté que nous toujours publié et différents programmes que nous passons chaque dimanche et que nous sommes capables de toujours consulter les bagages qui étaient dit dans l'émission et commenter par point de vue nous et comme ça donc avancer chaque jour. Et merci pour écouter nous et merci pour fidélité nous. Et prochain rendez-vous c'est pour l'autre dimanche à pareille heure et de 2h pour 3h sur votre station, votre radio, Max Inter, le 96.5 FM Stereo depuis Port de Paix pour tout le nord-ouest d'Haïti et également Nkoumon, l'Artibonite et le monde sur le www.radiomaxinter.com. C'était avec vous votre serviteur Richardson et Louis. Et que nous capables tout chercher moi sur Facebook et donc bah nous rendez-vous à dimanche prochain et moi espérer que sous peu nous gagnons mécanisme pour que nous dis moi comment que ça que nous apprenons au jour le jour yo bah nous bah résultat comment que nous matérialiser dans la vie nous parce que c'est pas suffit il pas suffit que nous tendez nous apprendre mais que nous capables appliquer et ça que nous apprenons chaque jour dans la vie nous et que comme ça nous va et ensemble connaître du succès. Merci à vous tous. Rendez-vous pour dimanche prochain. Excellente semaine. Bye bye.